moustiques dans la maison de Simone. Dans la maison de Simone. C'est pas toi. Attends, tiens, moi, par là. Moi, je la poule parce que tout le monde se moque de moi, mais... C'est cocotte. Cocotte, c'est pas une boule. Je sais pas faire la poule. Fais la poule, fais la poule. Et tu verras, tout sera plus cool. Je vais saouler les gens avec la poule. Mais tu vois, toi aussi que t'as tes musiques. Ça. Mais c'est elle qui me le met dans la tête. Ah bah celle-là, tu m'as chanté pendant 6 mois. Ça. Fais la poule, fais la poule. Regarde, c'est un super poulailler. Il y a un petit taquet pour fermer la porte. Ils vont m'enfermer dedans, ouais. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous filmer un petit peu l'arrivée de mes poules parce que donc je vais avoir des poules, vous l'avez compris je pense. Donc c'est Bibu qui m'a fait le poulailler, ça a duré pas mal de temps, il a galéré le pauvre parce qu'il avait fait avec des planches de récup qui étaient pas droites etc. Mais ça y est, le poulailler est enfin prêt, donc on va pouvoir accueillir nos poules. Donc là je viens de me lever, on va y aller ce matin, en espérant que du coup que les poules aient pas trop chaud dans la voiture. Donc on va y aller ce matin, j'ai quand même préparé 2-3 trucs, 2-3 petits trucs qui restent à faire au poulailler et puis on va y aller. J'ai un petit peu peur, j'ai jamais eu de poule, j'espère qu'elle va être contente ici, que je vais bien m'en occuper. Et puis voilà, j'ai hâte de voir à quoi elles ressemblent ces petites poules et je vais vous filmer tout ça pour vous montrer donc ces nouvelles arrivantes. Parce que pour pas qu'elles soient trop grosses, celles-là elles sont plus grosses, non? Elles sont un peu plus grosses, un peu plus noires. Et là c'est les noires. Bon ça y est, on a les poules dans le coffre, je sais pas si vous les voyez dans le carton derrière. Donc voilà, on en a deux, on a pris une rousse et une noire. Donc voilà, des petites poules pondeuses et je vous montrerai ça à la maison. C'est parti. On ouvre le poulailler. Et moi, je fais comment avec mes poules? Elles vont sauter? Elles sont trop douées? Attends. Il y en a une, elle est sortie. Voilà, les deux filles sont là. Oh, elles sont grosses. Elles sont énormes. Ouais. Elles paraissaient pas si grosses dans le grand enclos là-bas. Elles ont chaud, les pauvres. Vous avez de l'eau en bas? Elle a le bec ouvert. Ben oui, je t'ai dit, elle a chaud, la pauvre. Mais bon, voilà, on n'a pas la clim, on n'a pas la clim, ça va aller mieux là à l'ombre. Ouais, c'est pas les plus grosses soies noires en fait. Hein. Bah, le monsieur nous a dit que c'était les deux tailles pareilles. Hein. Ah, c'est bon. Laisse-les découvrir. Oh, bah, elle picorait déjà par terre. Attention, il y a Baba qui vient les voir. C'est quoi ça, Babi? C'est qui a dans le poulailler, Bobby? C'est bizarre ces bestioles. Hein? Faut que tu sois gentil avec les poupoules. Hein? Bon, et alors, c'est bien gentil, mais qui c'est qui s'appelle Simone et qui c'est qui s'appelle Lucette? Moi, je vois bien la rouquine Simone. Non? D'accord. Ah, il y a de l'air, vous sentez? Ben moi je sens pas en tout cas, je sais pas les poules mais moi j'ai pas senti l'air. Je décède autant que la poulet. Elle est rigolote avec sa crêpe. Tu manges pas mes poules hein, Titou? Tu leur fais pas peur. C'est Lucette et Simone, il faut pas les manger. De toute façon t'es tout petit, elles sont 15 fois plus grosses que toi. Je suis contente parce que ce soir elles ont arrêté d'ouvrir le bec, elles ont moins chaud, les pauvres, elles sont arrivées en pleine canicule et en plus à cause, on ne savait pas en fait que ça allait être la canicule, les pauvristones. J'ai arrosé un petit peu autour du poulailler pour essayer de leur donner un petit peu de fraîcheur, la pâtée ça n'a pas l'air de les attirer plus que ça, en plus on en a fait 6 kilos, on en a fait trop. Mais bon, je suis contente qu'elles aient un petit peu moins chaud ce soir, j'espère que demain ça ira parce qu'il va faire encore plus chaud. Thank you.